Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des élèves qui ont tué leur professeur. Let's go. La profession d'enseignant, à quelque niveau que ce soit, n'a jamais été une sinécure. Depuis que Charlemagne a décidé d'institutionnaliser l'enseignement, les profs ont été la représentation de l'autorité, voire de l'arbitraire. Pour certains élèves, le professeur est carrément devenu l'ennemi à abattre. Quelques-uns sont vraiment passés à l'acte. En voici quelques exemples. Nevada, 2013. Le 21 octobre 2013, sans raison apparente, un enfant de 12 ans s'est mis à ouvrir le feu sur ses camarades de classe et son professeur. La terrible scène s'est passée dans une école du secondaire, au Nevada. Le professeur est mort sur le coup et deux élèves ont été grièvement blessés. L'un d'entre eux a reçu une balle au niveau de l'abdomen et l'autre a été touché à l'épaule. Leurs jours n'ont pas été mis en danger. Par contre, le gamin, après avoir accompli son acte, a retourné l'arme contre lui-même et s'est suicidé. Massachusetts, 2013. Nous sommes le 22 octobre 2013. Une fois son cours terminé, une jeune professeur de maths, du nom de Colin Ritzer, décide d'aller aux toilettes. Mal lui en a pris. Un de ses élèves, Philippe Schism, 16 ans, la suit et va la violer et la tuer sauvagement à coups de cutter. Une fois son forfait accompli, le jeune homme va mettre le corps de sa victime dans un sac à poubelle et le cacher dans la cour du collège. Puis il s'en est allé tranquillement. Il ne savait pas que toute la scène avait été filmée par une caméra de vidéosurveillance. Il a été condamné à 40 ans de prison par le tribunal de Boston. Allemagne, 2010. Fou de colère parce que son professeur venait une fois de plus de lui coller une mauvaise note, un jeune garçon étudiant dans un lycée professionnel de Ludwigshafen a décidé de tuer son professeur. C'est du moins ce que rapporte le magistrat chargé de l'instruction du dossier. Il a froidement exécuté son professeur qui était âgé de 58 ans. Il l'a poignardé et abandonné dans l'escalier menant à la cave du bâtiment. L'enseignant est mort des suites de ses blessures. Paix à son âme. Égypte, 2014. Un professeur de la Marzou Prep School d'Alminia, en Moyenne-Égypte, a été tué d'une balle dans la tête par un élève. Selon les témoins, l'élève a commis ce crime parce qu'il avait été réprimandé. En effet, il avait été surpris en train de fumer dans la salle de classe. Il a attendu que son professeur rentre chez lui pour l'abattre froidement dans la rue. Estonie, 2014. Un collégien estonien de 15 ans s'est rendu coupable du meurtre de sa professeure d'allemand, N. Sarap. Les faits se sont passés à Vilandi, un village situé à 150 km de Tallinn, la capitale de l'Estonie. Il ne s'est pas embarrassé de scrupules pour tirer sur elle et la tuer en plein cours, au grand désarroi de ses condisciples. Interpellé par la police, il leur a remis l'arme du crime sans opposer aucune résistance. Malgré la gravité de son acte, il ne risque qu'une peine de prison de 10 ans en tant que mineur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si vous avez une idée de sujet de vidéo, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Ça me ferait très plaisir. Sur ce, à la prochaine.